budget satisfaisant. Et on va commencer notre gros projet. Alors, on va d'abord terminer notre petite extension. Voilà. Hop, on va mettre des habitations. Pour aller plus loin. Hop. On va mettre des parcs. Voilà. Sportif, un basket. Voilà, et puis un petit standard. Tiens, j'en mets jamais des standards. Allez, un petit abri à barbecue. Oh, j'adore le bruit. Le grill. Bon alors. Alors. Ah oui, on a la station d'épuration. C'est pas super ça. Ah tiens, j'ai oublié. Bah tiens, tenez, voici comment on fait. Voici comment j'ai fait. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente session comment on faisait. Voilà, je vous montre une fois de plus comment on fait ce petit équipement. Amélioration de route. Clac, et on améliore. Voilà, ça coûte un peu. Ça coûte un peu cher. Voilà, mais comme je me suis donné de l'argent, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. D'ailleurs, j'ai remboursé un prêt que... Voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai remboursé un prêt que j'avais fait. Donc maintenant, on n'a plus aucune obligation. Vous voyez, la spécialisation de ville, les casinos nous rapportent beaucoup plus d'argent que des dépenses. Donc ça c'est cool, ça c'est bien. C'est bien. Alors on va redéfinir notre quartier industriel. Parce qu'en fait, je vais détruire beaucoup d'industrie là. Voilà, on a un petit quartier industriel. D'ailleurs, cette route, elle sert à rien d'ailleurs, cette route. Bon. Moi, je trouvais qu'elle ne servait à rien. Je vais me tromper, hein. Il y avait un seul bâtiment sur la route, ça sert un peu à rien. Bon, peut-être on va peut-être arranger ça. Boum, je sais, c'est des gros travaux, ça casse tout. C'est pour le bien de tous. Tac et tac. Fortement industriel, mais je ne veux plus d'industrie. Je ne veux plus d'industrie. Ah, on va pouvoir construire un siège jeu. Cool ça. Cool. Et cool, cool. Voilà. En industrie, je m'en fous. Je vais construire des maisons. Là, éventuellement, on peut mettre. L'industrie, ça je peux pas le mettre en jaune, je ne peux pas le mettre en jaune. Bon, nouvel essai. Non, ça ne change rien. Bon, bah c'est pas grave. Les parcs, on va mettre un gros parc. Tac. Et tac, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Les trains sont... Gare ferroviaire fermée, ils ont besoin d'eau. Ah merde. Ah, on n'a plus d'eau. On n'a plus d'eau. Ah. On n'a plus d'eau. C'est la faillite. Regardez-moi toute cette pollution à cause de cette industrie. C'est pas beau pour l'image de Marx. Bon. Ah bah tiens, le nouveau quartier, bah tant pis. Le nouveau quartier qu'on avait construit là va nous servir pour autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'eau. On a peut-être même un peu trop.
Il y a trop d'eau. Je vais pas m'en plaindre. Alors je sais pas si ça change quelque chose, mais la construire près de l'eau, près de l'océan, peut-être que c'est à prendre. Je sais pas si ça change quelque chose. Hein. Je n'en sais absolument rien. Écoutez, c'est à tenter. Alors on va modifier un peu la route, oui. Voilà. Parce que ça prend de la place. Ces conneries là. Résultat, notre triangle là, justement. Hop, on va s'en débarrasser. Parfait. On va construire une station de pompage. Voilà, et résultat, on est comblé. Alors, faut laisser un peu de place à la station de pompage, parce que comme ça, on peut rajouter des autres pompes, d'ailleurs une pompe à filtre pour lutter contre la pollution, et des pompes à eau de base. Voilà. Donc, faut laisser un peu de place pour l'avenir, comme on dit, pour l'avenir. Résultat, on a détruit un peu. Voilà. Alors, vous pouvez toujours construire à côté, hein, c'est pas un problème. Alors, le nouveau train, ok. Niveau bus. Un service de navette, ce serait pas mal. Bah, on est une ville de 43 000 habitants. On a une gare routière, mais qui nous sert quand même plus pour l'extérieur que pour l'intérieur. Ce serait pas une mauvaise idée. Je vais le faire tout de suite. À moins que je l'ai déjà fait, je sais pas. Je n'en sais foutrement rien. Qu'est-ce que c'est que c'est un camion. D'accord. Je voyais pas quoi c'était. Hop, on rajoute des bus. Des bus. Plein d'arrêts de bus. Hop, il faut en foutre plein comme ça. Tout le monde est content. Et ça réduit la circulation. Je crois qu'on n'a pas de... On a une gare routière, mais c'est tout. Hein. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Un service de navette. Je sais pas. Allez, comme ça, juste à côté du stade. Hop. Le service de navette. Alors, le service de navette, lui, il est exclusivement dans la ville, hein, contrairement à la gare routière. Qui va, lui, dans les autres villes. Alors, je crois qu'on pouvait pas, mais maintenant, on peut voir les zones. C'est plutôt sympa. C'est plutôt pratique. Dans le sens où, quand on construit le bâtiment, c'est pas trop... on va le mettre si on veut plus détruire de l'industrie que du commerce. Bon. Moi, perso, je m'en fous. Mais bon, ça peut aider. Hop, voilà. On met plein de bus. Et c'est parti pour le dépôt de navette. Alors ça coûte un peu cher. Mais au moins ça va peut-être réduire enfin la circulation. Alors j'ai pas fait aussi les arrêts de bus scolaires. Ça faut tout le temps y penser ça. Ça je le dis, je le redis. Il faut y penser. À chaque construction résidentielle, pensez à mettre les recyclages. C'est comme ça, c'est primordial, c'est la base. C'est la base. Voilà. Des habitations à côté des industries, c'est pas un problème. Je crois que c'est tout de ce côté-là. Oui. On a un bon niveau d'éducation, ça c'est bien. C'est bien. Comme ça, ils font moins de crimes. Il y a moins de risques de crimes en tout cas. Ah, l'événement est terminé. Hop. Et ben on va provoquer. Provoquer. Pourquoi je dis provoquer au lieu de programmer? Je sais pas pourquoi. Allez, un concert de rock. Et une pièce de théâtre, comme d'habitude. Alors le train, ils sont pleins. Ah bah non. En fait, ils ont pas d'eau. Mais ça, c'est un problème, ça, c'est que ça met beaucoup de temps pour venir. Là, c'est bon, là. Voilà, c'est bon. Là, c'est que
quand vous pensez avoir réglé le problème, non. C'est aussi le problème. Contrairement à SimCity 4, où là vous installez un truc, bah pouf, le problème était réglé en moins de 2. Non, là faut quand même un temps d'adaptation. Hein. Faut le temps que l'eau arrive. Et des fois ça met des plombes. Des fois ça met des plombes. C'est surtout pour les eaux usées. Hein. Surtout pour les eaux usées, moi je. Chaque fois ça met des plombes. Électricité aussi. C'est pareil. Si vous avez un problème électrique urgent, bah faut laisser le temps au temps. D'ailleurs, on est presque à sec. On va rajouter. Tac. Une petite centrale. Alors, un générateur. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle. Un générateur à charbon propre. Ah oui, il faudrait peut-être que je développe ça. À l'université. Non, en ce moment, à l'université, je suis en train de développer un projet. C'est la centrale solaire. Voilà, tout simplement. Faut terminer le projet de développement dans une université de la région. Bah, c'est ce qui est en train de se passer à Domara. Je suis en train de terminer le projet de développement que j'ai lancé dans l'université. Donc je pourrais faire la centrale solaire si je le souhaitais. Bon, je sais pas si je vais le faire. Je pense que j'ai plutôt fait l'aéroport international. Parce que ça m'a l'air moins galère de le faire. Sinon il y a l'archéologie, oui. Je suis quand même plus aéroport international, quand même. Parce que personnellement, je trouve que ça a l'air d'être le moins galère à faire. Parce que pour celui-là, il faut quand même des processeurs. Donc il faudrait que je construise une usine de processeurs à Domara. Chose que je n'ai toujours pas faite. Ville éducative et technologique, c'est le projet que j'ai envie de faire là-bas. Ça fait des semaines que je me le promets, mais à chaque fois, je vois rien. Parce que j'ai pas envie, tout simplement. Voilà, parce que faut construire plein de trucs et ça m'énerve, voilà. Enfin, c'est le but de SimCity, mais voilà, c'est ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Alors, encore des bâtiments abandonnés, mais... C'est chiant. Oui, ça je l'ai vu, merci. Voilà. Plus d'argent. Nous en manchons. Nous en manchons et pourtant t'es un bâtiment abandonné. Bah, faudrait savoir. Toi aussi. Par manque de main-d'œuvre. Et bah c'est parfait. Oui, ça aussi c'est un problème. C'est qu'ils demandent de l'industrie mais au final il n'y a personne qui vient. Donc faudrait savoir les mecs. Bon, maintenant qu'il y a l'entrepôt détruit, de toute façon ils ne peuvent plus rien faire. Bien, on va lancer notre projet. Sur cette route, ça m'a l'air pas mal. Alors, il y a la station d'épuration qu'on va détruire entre temps. Il va falloir penser à construire une autre. Alors, pas trop près des habitations, si possible. Ici, ce sera désormais l'usine. Voilà. Ça, c'est une usine, ça? Ah oui, c'est une usine. Eh ben, tant pis pour toi. T'avais qu'à être plus plus industriel, voilà. Ça ne veut rien dire, mais ça ne veut rien dire. Alors, bah, où est-ce que je vais la construire? Ça me semble évident. Là, on va mettre de l'industrie. Là, on va enlever tout ça. On va mettre des maisons. C'est ici qu'on va la construire. Voilà. Assez des grosses usines là qui explosent. Enfin, maintenant ils peuvent plus exploser maintenant que j'ai les camions. D'ailleurs, je vous montre tout de suite.